Bien, donc Jarmo contre Moll. Jarmo Moll. Et c'est parti pour une spéciale. Sophie peut être éventuellement embêtée par quelqu'un comme Moll. Ah, un duel de frères, intéressant. Il n'y a pas loin des deux seules personnes qui doivent prendre encore les brosses sur une spéciale. Un peu compliqué, quelqu'un qui ne fait pas de slide avec les brosses sur KB2. Même sur GV3, ça manque de puissance, mais bon, pourquoi pas, allons voir ça. Donc Sophie s'en sort très très bien. Elle est en tête et David va essayer de rebondir visiblement tous les adversaires. Avec une étoile, ça va être sympa ici. Oh là, David a eu chaud. La chute était pas loin, belle relance avec l'étoile. Et il n'y a plus qu'un adversaire entre lui et Sophie. Sophie qui a une très belle avance, qui a en plus un champignon. C'est un peu trop les partodes au passage. David lui, il ne faut personne devant lui à pouvoir faire un beau tour et remonter. Malheureusement David rate le pont et tombe dans l'eau. Il détruit Yoshi qui voulait le doubler. Buster s'est intercalé, pas pour longtemps. Oh, et Sophie est pas loin de presque avoir un tour sur David. Elle triomphe en 1.25, 1.26, voilà. Aïe, David plonge à l'eau, il faut vite qu'il remonte. Aïe, 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 aïe. Ah là là, il est en train de se faire doubler par tout le monde et faire un rank out. Allez, sauver l'honneur, un point. On sait jamais, ça peut toujours servir. Oh, oh! Putain! Malheureusement David finit 5ème. Il est quelques centièmes de seconde derrière Troupa Troupa. Aïe aïe aïe, quel mauvais début. Ah, 2 centièmes, waouh. Yeah. Bien, donc 1 et 2 pour Sophie et David Moll. Ça va être compliqué maintenant pour David avec 9 points de retard. Hein, il faudrait prendre 3 courses à Sophie. Et les 4 pour gagner. Ah, oh, puis en plus Sophie dépose un petit paquet cadeau pour David. Il faut encore à la lutte avec Koopa. Décidément, c'est le chemin de croix pour David. Et voilà, toujours. Oh là là, c'est compliqué pour David. Hein. À la lutte à la 4ème place. Et Sophie triomphe tranquillement. Alors que David va. C'est encore moins une que Koopa embête David. La lutte va être chaude jusqu'au bout. Donc, un point, on est à 18 à 1. L'addition commence à être très salée. 17 points d'écart à 3 courses du terme. Va falloir faire de gros écarts et sur une GV3, la Sophie devrait asseoir son triomphe. On ne déroule pas si mal tous les deux avec les bros sur une GV3. Pour prendre les passerelles, c'est pas si évident. Faut quand même. Voilà, une manière de réagir un peu compliquée et David du coup a chu.
Et il va se retrouver encore à la lutte à la 4ème place. Oh là, et Buzzer troll molle. Oh là là, c'est vraiment compliqué pour lui. Alors Sophie, tout se passe bien. Et limite une course à avoir à se faire un speedrun, avoir un chrono sur une spéciale. Ok, David a une plume. Je sais pas ce qu'on peut faire comme shortcut avec la plume sur avec un bros. Est-ce que ça peut être réussi? Ok, David arrive à soigner des stats, finit deuxième. Donc évidemment, Sophie avec 20 points d'avance a gagné désormais cette spéciale. Donc on va essayer pour l'honneur. Merci Gilebou. Merci pour elle. Et deux tranquillement, Sophie qui a une assurance vie.